les données du combat de ce soir. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC strawweight division. You ready to fight? Ready? Et on y va. Elle se rate de peu avec ce puissant coup de pied. Elle envoie un puissant coup de pied à l'intérieur de la jambe de son adversaire. Énorme coup de pied qui touche à la tête. Waouh, quelle puissance et quelle souplesse! Et ça passe à côté, vous avez senti la puissance de la frappe! Elle place un high kick. Magnifique emmenée au sol. Elle est en position de side control. Elle se prend son coude. Elle les place quand elle veut ses coups de genou. Encore un gros coup de coude de Rawlings. Bel enchaînement de coups de coude par Rawlings. On voit sa joue qui saigne. Coup de coude. Et bim, ça c'est cadeau. Elle s'acharne à coup de coude. Elle cherche à en finir maintenant. Il manquait pas grand chose sur ce coup de pied retourné. Elle place un bon coup de pied au corps. Les coups de pied de Nama Jonas. Elle ne laisse aucun répit à son adversaire. Elle marque des points. Incroyable échange entre nos deux combattantes. Ce coup de pied est esquivé. Parfaitement bloqué. Superbe coup de pied à la tête. Oula, uppercut complètement manqué. Oh, droit au corps, gros coup de pied. Wow, superbe enchaînement. Encore un coup au corps. Son overhand passe tout seul. Quelle puissance dans son coup de pied. Ça touche au visage. Cette énorme droite n'est pas passée loin. Encore un coup de pied qui trouve sa cible. Elle se prend ce coup en pleine tête. Encore 20 secondes. Et le coup de pied est bloqué. Crochet à la tête. Elle est touchée. Elle est touchée. C'est fini pour le premier round. You ready to fight? Ready? C'est reparti, deuxième round. Elle encaisse ce coup de pied. L'uppercut vient s'écraser sur son visage. Magnifique high kick. Wow, dans la tête. Magnifique attaque. Quelle puissante frappe au corps. Ouh. Les frappes se multiplient. Gros coup de pied à la tête. Elle est sonnée. Ce coup de pied l'a presque mise KO. Elle touche avec ce high kick. Ses coups vont laisser des marques.
Elle veut en finir là, maintenant. Coup de coude. Festival de coup de coude. Le médecin va certainement demander à arrêter le combat pour jeter un œil à cette profonde coupure. Genou, genou, genou. Le coup de coude de Rawlings. Tie clinch verrouillé. Oh, elle est touchée. Oh, elle est tombée. Elle retourne la situation. Elle la touche. Heureusement pour elle que ce coup n'a pas porté. Elle manque de lui arracher la tête avec ce coup de pied circulaire. Beck Rawlings semble avoir du mal à s'en remettre. Quand on se fait sonner comme ça, il est parfois impossible de récupérer dans les minutes qui viennent. L'issue du combat est peut-être déjà décidée. Double underhook. Crochet. Elle porte un nouveau crochet. Un vrai combat de lutte. Beaucoup d'engagement des deux côtés pour le contrôle du clinch. Les underhooks sont placés. Elle passe en over-under. Le tight clinch. Elle la rate de peu. Superbe crochet, mais c'est bloqué par Nama Jonas. Elle a raté son retourné de peu. Et ce deuxième round se termine. Allez, plus que 5 minutes dans ce combat. Et elle lui colle son pied en pleine tête. Superbe kick. Wow, quel coup de pied. Beau crochet. Elle lui fait presque sauter la tête avec son coup de pied. Puissant coup de pied qui l'envoie au sol. Elle est debout. Ce coup fait vaciller l'adversaire. Elle voit des étoiles à cause de ce coup de pied. Elle vient de l'envoyer à terre avec ce coup. Touché par le droit. Et c'est terminé. Son adversaire ne doit même pas encore avoir réalisé que le combat était fini. Quelle droite spectaculaire! Voyons donc le replay du combat. On voit bien la puissance du kick ici. Voici Bruce Buffer qui va donner la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Deans will stop this contest at 1 minute 25 seconds of round number 3. Declaring the winner by knockout.